Salut et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien et on se retrouve pour le 25e épisode sur Final Fantasy VII Rebirth. Donc on a franchi les montagnes de Corel c'est le monstre le plus facile qu'on peut avoir. On a Iris pour les prochains combats pour faire un peu de prière, à moins qu'on tombera sur un banc. Passer en dessous ici, non. Toujours à la recherche d'objets cachés. Et on fait quoi maintenant? Il faut baisser le pont. C'est le seul moyen de passer. D'accord, mais comment? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, toi, tu n'aurais pas une idée? Il y a un panneau de contrôle tout là-haut qui permet de baisser le pont. Et comment est-ce qu'on y va? En passant par la mine. Mais elle est désaffectée depuis longtemps, alors ça pourrait être un peu compliqué. Bougez pas dans la rivière, on va baisser le pont. Cloud. Viens là. C'est peut-être à cause de la Mako. Il devrait se reposer un peu. Pendant que Cloud récupère, on pourrait pas aller abaisser le pont ensemble? Bonne idée. On vous appellera avec ça là-bas. En attendant, tu restes tranquillement ici. Super! Allez, c'est parti! Bon, on joue avec Yuffie. Alors, Yuffie plantait son shuriken avec triangle pour détruire des caisses de Shinra à distance et ainsi obtenir les objets qu'elles contiennent. Tout le monde a toute sa vie? Ok, c'est un groupe rechargé. Alors, lorsqu'elle a son shuriken en main, Yuffie effectue une série d'attaques en le faisant tournoyer. Tourner si vous appuyez sur carré. Maintenir la touche appuyée lui fera attaquer les ennemis devant elle tout en reculant. Appuyez sur triangle pour lui faire lancer le shuriken. Les attaques normales de Yuffie sont alors remplacées par du ninjutsu qui lui permet de frapper à distance et dont la nature élémentaire peut être changée avec la compétence ninjutsu élémentaire. Après un certain temps, le shuriken revient automatiquement auprès de Yuffie, mais elle peut le récupérer à tout moment en réappuyant sur triangle. Ow. J'imagine qu'on peut le changer. Glace, foudre, vent. On sait feu le... Hmm.
Bon, alors, quel côté? On doit monter avec ce truc là, sur la droite. Mais faudrait d'abord le remettre en marche. Allez. Faut déclencher le levier qui est là-bas. Prends ce grappin. Tu peux te balancer de l'autre côté, non? C'est comme si c'était fait. Alors, vous pouvez désormais utiliser le grappin pour atteindre des endroits impossibles d'accès en marchant ou en grimpant. Pour cela, vous devez viser un point d'attache avec L2. Allez, L2. Ah, je peux appuyer sur R2. Ah, il faut se balancer un peu. Alors, l'arme, c'est pour qui? Eh bien, bien sûr. Élémentaire. Oh, on a dague tournoyante et double vipère. Donc, on va commencer par celui-là. Ah, lui, il a qu'une seule matériel. Oh. Ah, bah, dis donc. Donc, elle perd quoi comme matériel là-dessus? C'est volé qui reste là. Bah, on va lui dépêcher d'apprendre ses affaires, mais là on a quand même plus 10 en attaque physique. Il y a 400 points de vie, on s'assure. J'ai plus de 100 ici dessus. Et de là, il perd 400. Ouais, avec celui-là. Dégâts de glace, donc garde précise, régénérante. Bon, on va faire remis dégâts de glace. J'ai pas compris qu'ils ont gardé d'avoir des barres fluo là. Ça dénature un petit peu l'environnement. Ça va être un jeu d'enfant. J'arrive. Qu'est-ce que tu dis ça? Oh, en sortie là. Faudrait déverrouiller le système avec un panneau de contrôle qui se trouve en haut. Tu peux y aller? Heureusement que je suis là, hein. Alors, on va remettre l'ascenseur en marche. La caisse, ensuite on va faire ça. Oui.
coffre mauve là-bas. Je peux traverser. Ah, il y a une corde. Ok, je vais chercher un petit peu. Besoin de soins, j'ai tué. Oui, Barrette, il y a une. Un matériel de soins. Alors on grimpe pour descendre. Ben idiot. C'est juste pour un coffre. Tout ça pour un coffre. Parce que j'ai pas vu. Thank you.
pourrait lui mettre la materia Yuffie André vol et mettre chakra. C'est quoi la PV augmentée? Ça pourra se soigner. Chakra. Chakra, mais bon. Sont où les caisses à détruire? Il y avait des flèches. Je sais pas. Ça sonne plus haut. Non, bon. Pas ici. Encore un truc idiot ou pas? C'est juste pour une cargaison de caisse. Ouais, c'est pas mal. On peut changer l'arme de Yuffie vu qu'elle a déjà maîtrisé son arme. On va perdre une matériel, mais... Expert en shuriken. Compétence d'arme. Ouais. Allez, bouge ton cul, arrête. Oops.
essence de phénix. Ça va aller. Tu vas voir. Bon, on va utiliser un petit peu la magie. Ça n'est pas beaucoup. Hein. Oh, je pourrais en acheter deux. La période plus. De chance augmentée. Affaiblissement, défense du foyer. Ok, pervertir matériel. Ok. Comme ça, c'est elle qui va monter plus vite. Alors, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de monter plus vite? Peut être plus sympa, monter plus vite. Bam! Alors, on va avoir un boss dans le talon, sûrement. C'est bloqué. Matrix. Le feu. Yeah.
ici, du coup, il n'y a rien, il y a du quelque chose, une plateforme on dirait. Ok. Une plateforme qui descend. Pour escalader. Comment on va là-haut? Ah, là-bas. Là-bas, là-bas, là-bas. On peut pas utiliser ici. Chop, 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 faut partir de là. Bloc ici, ok. Donc, pour pouvoir activer ce truc là, il faut grimper ici. Ok. Ok. Allez. Oh, il est revenu. C'était. Ah, c'est pas encore réactivé. J'ai dû oublier quelque chose là. Je vais descendre ici. Fini.
Quand même. Okay. Tu vas y arriver. Les doigts dans le nez. Pas envie de me mouiller, moi. Ouch. Bon.
Attends ça. Ok, parfait. Oh, un bon moment. Maintenant, juste... Mais non, pas feu, merde. Il est pas sorti de la glace. Ah non. Alors, ça donne des dégâts pendant qu'il crache du feu. Ok. Boy. On va commencer juste avant le combat. Les gars, à distance aussi.
ça, je sais plus si c'est tous les gars. Hein. Allez, dépêche-toi. Merde, donc faut pas l'attaquer quand il fait limite d'explosion là. Bon, on va sûrement affronter un boss. C'est ça que je regardais. C'est. Qu'est-ce qu'on a à vendre à Rabé? Épingle d'or. Bon. Non, c'est moins cher. Toujours rien de neuf là-dedans. On est toujours dans le même lieu. Donc. Est-ce que pour une force, ça serait bien pour Yuffie? Mais je pense qu'elle a déjà ça. Ok, bon. On va s'arrêter ici pour cet épisode, alors j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Coche la cloche pour ne rien manquer des autres épisodes. N'hésite pas à mettre un commentaire et partager la chaîne avec tes amis. Et si tu es déjà abonné à la chaîne, je te remercie grandement de ta fidélité. Et quant à moi, je te dis à de prochaines aventures. Ciao, bye bye.